Jardin botanique se trouve vers au Kisantu, vers la route nationale. La route nationale numéro 1. Numéro 1. Oui. Et puis vers la route nationale numéro 16. Ok. Numéro 16. Kinshasa, entre Kinshasa et Kisantu, il y a 120 km. Bon, ça va être bon. Entre la route Kinshasa, Kisantu, 120 km. Et 120 km, c'est pas loin. Alors, les jardins botaniques sont créés en 1900, en 1800, en 1900, par un certain Julien, Frère Gillet. Il est mort, mais il nous a laissé un jardin vraiment important. Vous venez visiter ça, vous verrez que c'est bien, c'est un bon jardin. Nous avons aussi une école ici, au jardin botanique. Il y a les lieux touristiques, c'est un lieu touristique. Il y a là où il y a, où nous dormons, là où il y a les visiteurs indiens, ils dorment là-bas. Il y a aussi un hôtel là-bas qu'on appelle, là, vers les Saint-Thérèse là-bas. Il y a un hôtel là-bas. C'est un lieu touristique, quoi. Les jardins, c'est un bon lieu touristique. Vous pouvez venir un week-end, faites votre chose, vous partez. L'élève de la quatrième année deuxième du jardin botanique. L'élève Makin Kilomo, de la quatrième agrée. Je me nomme Dani Monique Exessé, je suis élève de la quatrième agrée de l'UTH Nixon. Depuis mon enfance, j'ai aimé la culture. On le voyait de grand faire la culture. Donc, ça me poussait vraiment de faire la culture. Et j'aime ça. La culture, c'est parce que c'est la chose que j'ai beaucoup aimé depuis mon enfance. Et mon père aussi a voulu que je le fasse. Pourquoi je suis venu au jardin botanique faire la culture et aider aussi mes rêves et réaliser aussi mes rêves un jour pour que je sois utile dans la société. J'étais petit, mon rêve était de faire la petite parce que j'aime faire la nature. Je suis modeste, professeur de mathématiques, en deuxième, troisième, quatrième. Ici, au jardin botanique, à l'été, à Kisantu, nous sommes vraiment dans une école technique agricole. L'importance de ça, c'est pour amener les gens à comprendre son importance vis-à-vis du monde entier. Dans le monde entier, il n'y a que l'agriculture qui peut avancer le pays. Le pays ne peut pas avancer avec des minéraux, non. Le pays peut avancer avec l'agriculture. L'agriculture seule peut avancer le pays. Tout ce monde-là qui sont. Tous les pays du monde entier sont avancés à partir de l'agriculture. Voilà la Chine. La Chine, c'est le riz seulement qui l'a avancé. Mais si c'est nous, on peut aussi faire le riz. Du riz partout, partout. Mais connaissant les élèves ici de nous, à toi, les élèves s'intéressent à ça. Les élèves s'intéressent dans l'agriculture. Pourquoi tu
Je veux que le gouvernement congolais puisse financer vraiment pour que l'agriculture puisse aller de l'avant. Parce que nous aussi, au courant, l'agriculture est bafouée. L'État congolais ne s'occupe pas vraiment de l'agriculture. C'est pour cela que je demande au chef de l'État qu'il puisse s'occuper de l'agriculture, qu'il puisse financer même du matériel. Je peux dire de matériel ou d'autres choses pour que l'agriculture puisse aller de l'avant. Parce que beaucoup de pays qui sont puissants là, ils sont puissants grâce à l'agriculture. Sans l'agriculture, le pays n'a pas vraiment de. Intégrer par changement des variables, par changement. Il y a deux options, il y a l'agriculture générale et vétérinaire. On a des cultures maraîchères, on a des cultures industrielles et puis des cultures fruitières. Par des TP. Et TP, ça se passe où? Par les potagers, par les poids des. Par l'élevage des porcs. On forme des oranges, des oranges et puis de mangue. Oui, ça aussi on peut les transformer. Kimpemba, Ngizinga, Kimvula, comme aussi des autres côtés, Pessé, Kibambi, tout ce village, tu sais, Nembo, tout ce village. Il m'a dit que l'agriculture, mais il n'y a pas dit. La technologie agricole qu'on donne à ses élèves pour bien transformer les produits agricoles en produits finis. Il y a à peu près en quatrième année, il y a 12 élèves. Hein? 12 élèves en quatrième année finalistes. Ok. En troisième année, il y a 15 élèves finalistes. En deuxième, il y a à peu près 17, 20 élèves comme ça, 30 élèves. En première, il y a 30 élèves. En première, PCA. Voilà, quel est le message? Bon, premièrement, d'abord, l'agriculture, c'est le gage du développement d'un pays. Nous voyons que les États-Unis, pour être puissant, c'est grâce à l'agriculture, à la culture du maïs, que les États-Unis, c'est un pays puissant aujourd'hui. La Chine, grâce à la culture du riz. Et les États-Unis, c'est un pays puissant. Donc, moi, je conseillerais au gouvernement du pays de financer vraiment les agriculteurs, les agronomes, de créer aussi des banques agricoles. Pour... Bon, souvent, on voit la Chine aujourd'hui est développée grâce à l'agriculture. Si vraiment le gouvernement congolais met conscience, met ses efforts sur l'agriculture, je pense que la RDC va évoluer, la RDC sera aussi comptée parmi les pays
le plus développé du monde entier. Je vais lancer un message au gouvernement congolais que l'agriculture est très importante dans un pays. Pour faire beaucoup pour l'agriculture. Il faut investir beaucoup dans l'agriculture. L'agriculture est très importante dans les pays du monde entier. Dans notre pays, il n'y a pas besoin d'importance de l'agriculture. On voit que l'agriculture, c'est un fond-tout. Mais l'agriculture, c'est très important dans un pays qui veut avancer leur budget. Quoi. Le budget, c'est l'agriculture. Il faut arranger sur des routes. Des routes de recettes agricoles. Le président de la République fasse un effort pour que ce pays soit un pays plus beau qu'auparavant. Merci beaucoup. Bon, à partir seulement de l'agriculture. Moi, je vais dire ceci. Je vais encore ajouter ceci que le président de la République ne veut pas seulement que seulement les minéraux. Les minéraux donnent. Ça peut épuiser les minéraux. Mais l'agriculture, il y a combien de. 3/4 de terre pour l'agriculture. Pour l'agriculture. 3/4 de terre de la République démocratique du Congo où on peut pratiquer l'agriculture. Ça. Le président de la République fasse vraiment dans sa tête, dans ce projet-là, qu'il fasse plus que l'agriculture, plus que les autres choses. Merci beaucoup, professeur. Voilà. L'enseignant de l'intérieur. Moi, je vous dis que l'enseignant de l'intérieur ne gagne rien. Nous gagnons. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'enseignant à l'intérieur? Ne gagne rien. Mais comment vous voulez, professeur? Nous voulons seulement comme. Quand je vous dis le salaire que moi je gagne, vous allez commencer à se moquer de moi. Non, vous gagnez combien, professeur? Nous gagnons 240 000 francs. Moins de 100 dollars. Nous gagnons 240 000 francs. Congolais. Mais comment vous vivez? Ah, je vous dis ça. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Nous gagnons 240 000 francs congolais. 240 000 francs. À partir de 240 000 francs, c'est fini. C'est là le terme que je vous dis. Les 40 000 francs de Kinoumba. Alors, moi, je vais dire à ceux qui trompent le président, je ne vais pas tromper le président. Je dis la vérité. Merci, le message est passé. L'enseignant au Congo, à l'intérieur, ne gagne rien. Il gagne 240 000 francs. Donc, c'est ça que le message que moi, je dis, c'est ça. D'accord. Merci.